Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, je vous prépare une quiche magique à la moutarde. Je fonce un moule à tarte avec un disque de pâte feuilletée. Par-dessus la pâte, je dépose un papier sulfurisé. Je verse des haricots et je cuis 20 minutes à 180 degrés. Dans un saladier, je fouette les jaunes d'œufs avec l'huile d'olive et le beurre fondu jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. J'ajoute ensuite la moutarde. J'ajoute la farine. J'ajoute le sel. J'ajoute le lait. Après le lait, le jambon. Cinquante g de gruyère râpée. Je monte mes blancs d'œufs en neige. Je retire les haricots de ma pâte. Sur mon fond de tarte, je dépose mes dés de tomates confites. J'incorpore mes blancs d'œufs à ma préparation aux œufs et à la moutarde. Je mélange, mais sans trop. Je dois garder des grumeaux de blanc d'œuf. Je verse le tout sur ma pâte. Je parsème du restant d'emmental râpé et j'enfourne pour 55 minutes à 150 degrés. Ma tarte est cuite. Je n'ai plus qu'à la laisser tiédir avant de la découper pour la partager avec mes convives. J'espère que cette recette vous aura donné l'idée de la reproduire chez vous. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.